Vous êtes bien sur Fréquence 7 et c'est Solidaire d'abord. Et ça fait 15 ans qu'on essaye de dire plein de choses sur la façon dont on se fait manger au jour le jour. Alors, la première chose là, c'est la COP26. On va parler un tout petit peu de la COP26, en fait, parce que c'est une émission qui va être sur l'écologie. Et on va faire plusieurs émissions sur l'écologie à l'initiative de Denis, hein. Avec différents intervenants, oui. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux pointures. On a Alain et Martine, hein, qui sont là et qui vont nous expliquer plein de choses sur l'écologie. Absolument pas une pointure. On va essayer de peut-être d'expliquer, je sais pas, mais... Alors la première chose, c'est la COP 26. Alors, donc ça fait 26 ans qu'il y a des COP là. Ils sont copains, ils sont tous là, tous ensemble. Ils se retrouvent à plein de pays et puis ils expliquent comment ils vont éviter que justement ça soit le désastre écologique qui arrive. Et donc là, on se retrouve avec beaucoup beaucoup de sous, hein, je pense. Beaucoup, beaucoup de discussions pendant 15 jours avec 197 pays quand même, excusez du peu, hein, là. Et puis à la sortie, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de probant qui se dégage. La montagne qui accouche une souris. Alors ça, on pourra le dire plus tard. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est vrai que la plupart des COP, disons, jusque-là, n'ont jamais rien donné. Au contraire, ça a été le néant, hein, puisqu'il y a toujours eu des émissions de plus en plus importantes, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc le climat, c'est non seulement les problèmes climatiques se sont pas améliorés, mais ils ont empiré, au contraire. Hein. Donc les gens se réunissent quasiment pour rien. Et entre autres, peut-être parce que le politique gère à court terme, alors que les problèmes climatiques sont des problèmes à long terme. Mmh. Oui, c'est une bonne réflexion, ça. À Paris, on était parti sur maximum 1,5 degré, voire en dessous. Mais maintenant, on est à 2 degrés, voire plus, c'est une catastrophe. Et en plus, donc, c'est ce que tu relevais un peu, Martine, quand on en discutait tout à l'heure. Il y a les pays du tiers-monde, hein, les pays pauvres, qui à chaque fois sont peu pris en compte. Et là, par exemple, dans le cadre de cette COP26, il y a des pays qui vont se retrouver, si on dépassait 2 degrés, en état de mort. Hein, parce qu'ils vont être submergés, ils vont être... Il y en a certains qui vont se retrouver sous les eaux. Oui, tout à fait. C'est toujours ces pays-là qui ramassent le plus, quoi. Les tsunamis, c'est pas pour nous. C'est la montée des eaux, c'est pas pour nous directement, tout au moins pour l'instant. Donc la famine, c'est aussi pas pour nous, quoi. Il y a en Afrique, c'est une catastrophe, quoi, dans certains pays, Mozambique actuellement ou Madagascar, exactement. Donc oui, c'est ça qui est affreux, c'est que c'est pas nous qui prenons dans la tête directement, et du coup on se sent pas directement concerné et on se mobilise pas suffisamment, quoi. Après, on a été concerné quand il y a eu des inondations dans la Royale, quand ça a oui. Inondé. Là, voilà, comme il y a eu à Vaison-la-Romaine, comme là, quand il y a eu sur l'Atlantique, là, c'est passé par-dessus les digues parce qu'elles n'étaient pas entretenues. Mais le français ou même les gens ont la mémoire courte et on passe vite à autre chose et puis voilà, on continue notre train. On remarque d'ailleurs de plus en plus ce type de problème de climatique, hein, d'excès soit de chaleur, de canicule, soit de pluie abondante, trop abondante, soit de vent, d'ouragan. Il y en a de plus en plus, disons, sur la planète. Et même nous, on commence à avoir, on se rend compte quand même des irrégularités dans notre climat. Et puis ça va impacter les cultures. Et ça impacte bien sûr l'alimentaire. Et les rendements. Donc, ce qui va créer des manques, des famines, et voilà.
Alors, évidemment, dans cette COP26, on va parler de l'énergie, hein, comment essayer de trouver une meilleure consommation d'énergie, une meilleure façon de la produire, etc. Et alors, tu avais une réflexion, Denis, sur ce qui se passe en Allemagne quand ils isolent les habitations. Oui, l'Allemagne est au point, enfin au point, à la pointe, on va dire. Pas au point, à la pointe de... pour ce qui est renouvelable et isolation des appartements, des maisons. Donc oui, ben, le truc c'était au départ, c'était on va isoler les maisons, donc les gens vont moins consommer. Mais non, les gens n'ont pas moins consommé, ils sont mieux chauffés. Donc ils ont monté le thermomètre, au lieu de mettre 18, ils avaient 19 ou 20, et ils ont autant consommé d'énergie. Avec la même production d'énergie, enfin avec voilà. La même consommation, oui. Mais ils sont plus confortables. Voilà, plus confortables. Mais voilà. le but, c'était pas ça, le but, c'était de moins consommer d'énergie. Alors justement, là, on rejoint quelque chose que disait Martine, c'est-à-dire que toi, tu parlais d'éducation, tu parlais peut-être aussi de comment faire de vrais choix, hein, je sais pas, parce que les enjeux sont là, sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met de soi pour participer vraiment à... Oui, complètement, parce que c'est évident qu'il faut mettre énormément de soi. Il ne faut pas attendre que ce soit les industriels qui bougent, ils ne bougeront pas. Les intérêts économiques sont de telle force qu'ils ne feront rien. Donc c'est à nous les citoyens, de nous bouger et de changer nos modes de consommation. Et déjà d'instruire les enfants à l'école de tous ces problèmes-là. Cette jeune fille, Greta, je ne sais plus son nom, elle est extraordinaire, quoi. Il faudrait vraiment plein de Greta dans ce monde pour que les choses bougent vraiment, quoi. Oui, mais en même temps, c'est les industriels qui polluent le plus, hein. Ah, mais c'est complètement eux qui polluent le plus. Mais si on compte sur eux et si on compte sur le fait que c'est eux qui vont d'abord baisser pour qu'on sorte de cela, eh bien, on va continuer la marche en avant. D'autant plus que consommer, c'est quand même agréable. Même moi, je consomme, quoi. Je veux dire, alors je limite ma consommation par rapport à beaucoup d'autres gens, mais je consomme. Donc c'est difficile de ne pas consommer dans un monde où on consomme et où tout est facile. Ça veut dire que c'est une conscience, mais collective, où on se retrouve ensemble, quoi, pour y arriver. Il y a consommer. On peut consommer sur les circuits courts. Oui. C'est consommer aussi, mais c'est sur les circuits courts. Ça, c'est une consommation raisonnée. Moi, je te parle de grosse consommation, enfin de consommation qui, justement, ne l'est pas. C'est vrai qu'on peut consommer sur des circuits courts. On peut aussi consommer, par exemple, au niveau des habits, acheter des habits qui ont déjà, dans des friperies, hein, des habits qui ont déjà été utilisés. C'est-à-dire, on peut avoir un comportement. Mais il est certain que ceux qui polluent le plus sont bien sûr les industriels. Hein. Donc, mais là, il faut des lois. C'est là où on se rend compte qu'il faut, disons, une volonté politique. C'est qu'un rapport de force. C'est un rapport de force. Il faut une volonté politique et des lois. Et le rapport de force avec les citoyens qui ont le pouvoir d'achat. En Amérique, aux États-Unis, ça marche très bien, ça. Le boycott de certains produits... qui font que les firmes font attention et marchent sur des œufs, il y a des moments. En même temps, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui consomment le plus, hein, c'est très clair. Et là, ils sont en train de nous expliquer que la France a réussi un supermarché, on va vendre plein d'Airbus à des pays du Moyen-Orient. Ah, ça, c'est quand même super, stop. Alors, on pouvait se dire que, justement... peut-être après la crise du Covid, où il y a eu une baisse très sensible des moyens aériens, on va dire, hein, on allait rester dans quelque chose qui serait un peu moins mis en avant par rapport à la pollution que ça dégage, parce que là, on a une très très grande pollution quand même. Mais non, apparemment, c'est pas comme ça que ça va partir. C'est 3% des émissions de gaz, ou même 2%, ouais. L'aviation. Oui, non, mais il y a une vraie pollution importante de gens qui, comment dire, quand tu fais le bilan carbone, hein, puisque tu parles du bilan carbone, toi, là, par un citoyen qui utilise beaucoup les moyens aériens. Il y en a que c'est pour promener, pour leur confort, d'autres c'est pour leur métier. Après, voilà, il faudrait partager un peu les deux, quoi. Alors, on a plusieurs portes d'entrée par rapport à cette émission. Une des premières, c'est toi, Martine, qui voulais nous parler du docteur Kousmin. Hein, tu nous avais parlé de ça parce que, en fait, c'est comme ça que toi, tu as été sensibilisée à ce sujet. Oui, moi, je suis un citoyen lambda. Hein, j'ai pas d'informations
scientifique à apporter dans, à cette émission. Je... Mais voilà, c'est vrai qu'après réflexion, j'ai cherché ce qui m'a amené à changer. Et c'est vrai que c'est le docteur Kousmine que j'ai rencontré, son livre que j'ai rencontré en 1980 à sa sortie, qui m'a vraiment amené vers un changement de vie, quoi. Une prise de conscience surtout, une prise de conscience. Docteur Kousmine, elle est née en 1904 en Russie, elle a débarqué en Suisse en 1917 où ses parents avaient un appartement, donc ses parents appartenaient au monde industriel en Russie de cette époque et ont dû partir de Russie pour ne pas se faire zigouiller. Et elle est devenue docteur en Suisse et c'est elle, c'est un docteur, elle était pédiatre, parce qu'elle est décédée, hein, elle aurait plus de 100 ans aujourd'hui. C'est un, comment dire, c'est elle qui a réellement pris conscience de notre alimentation, enfin du mal de notre alimentation sur le cancer, sur les maladies qui ont énormément, après les années 40, qui ont énormément monté en flèche, quoi. Particulièrement le cancer. Alors tu disais que c'était assez curieux, elle a fait des expériences en fait, elle, sur des souris chez elle. Oui, dans son propre appartement, elle avait un petit laboratoire avec un chimiste et un pharmacien. Et elle a pu, par hasard, avec un groupe de souris cancéreuses, ayant des tumeurs, elle a pu, par hasard, elle les nourrissait avec donc des comprimés, et par souci d'économie, elle s'est mise à les nourrir avec ce qu'elle récoltait chez les commerçants, des fruits, du pain, des légumes, donc des produits frais, particulier. Et là, elle a pu voir une diminution du cancer véritablement importante dans chez les tumeurs de ces souris. Et c'est à partir de là qu'elle a fait un travail sur l'alimentation. Est venu ensuite les pesticides, bien évidemment, etc. etc. Mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est une femme remarquable de par ce qu'elle a mis en avant à cette époque-là. Quoi, alors, elle parle particulièrement des intestins, je crois. Hein. Mais bon... Ouais, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que là, tu vas me coller, Mais oui, elle a mis en évidence le travail de l'intestin, en effet, tout à fait, ouais. Et donc, l'intestin est monocellulaire, hein, je crois. Oui, je crois que tu t'es renseigné là-dessus. Non, mais elle explique en fait, si j'ai bien compris, que beaucoup de maladies qu'on développe sont liées à notre alimentation. C'est-à-dire que, en fait, ça traverse l'intestin et ça va alimenter un cancer. Du foie, ça va alimenter un cancer même à la tête. Hein. Je veux dire, ouais. Voilà. À partir d'un travail sur l'alimentation, elle s'est rendue compte que là, on était dans quelque chose de stratégique par rapport à la santé, d'une manière générale. Ouais, complètement. Moi, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'on est une chimie. Hein. L'être est une chimie. Hein. Si on amène des produits différents, disons, dans son organisme, ben, il y a des réactions qui se font, hein, tout simplement, et qui peuvent entraîner sans doute des cancers ou autres problèmes. Alors, ouais, évidemment, c'est ça la beauté de la chose, quoi, c'est de voir comment notre corps est constitué. C'est comme tu dis, c'est vraiment des cellules qui travaillent les unes avec les autres et de manière intelligente, et c'est extraordinaire, quoi. Et c'est vrai que c'est l'alimentation qui va les amener, hein, qui vont les amener à se reproduire, à se... créer toute... Bon, là, je perds mes mots, mais bon... Non, c'est ça qui m'a surpris, moi, et qui m'a épaté, quoi. C'est... Et là, dans les années 40-50, quand elle est vraiment en train d'écrire et tout ça, là, effectivement, on se retrouve avec les pesticides, les engrais, etc. Et malheureusement, ça s'est pas arrêté comme ça. Hein. Ouais. Ça a bien continué. Alors donc, on se retrouve là, effectivement, avec des dérives qui se font sur les produits. Mais après, tu en parlais tout à l'heure, Denis, tu disais sur les tomates, par exemple, on se retrouve à maintenant à manger des tomates qui n'ont plus d'apport. Ah non, non. Alors, l'avantage, c'est qu'elles se conservent, ça, c'est pour la grande distribution.
C'est la grande distribution pour les légumes. Avant, ils avaient de la perte. Maintenant, ils n'en ont plus. Mais ça se conserve. Bon, c'est vrai que le froid fait beaucoup de progrès. Mais les aliments, enfin, les légumes et les fruits se conservent énormément. Mais au détriment de la qualité, autant gustative que qualitatif. Parce que c'est vraiment... Il y a bien moins de vitamines dans les légumes et dans les fruits maintenant. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ça se conserve plus longtemps. Alors, tu disais un truc sur le gluten. Alors, je ne savais pas vraiment justement ce que tu étais en train de développer tout à l'heure. Je trouvais ça très intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment. On parle beaucoup du gluten, mais alors pourquoi ? On en parle, surtout ceux qui en parlent, c'est ceux qui sont allergiques. Ceux qui sont allergiques au gluten et au pain. Et c'est vrai que les céréales, le blé, donc, a fait beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'évolutions parce qu'évidemment, c'est la base de... Enfin, la base. Oui, en France, la baguette, c'est le symbole du français, le franchouillard. Donc, le pain, on mange beaucoup de pain en France. Hein, et le pain, ça a tellement été sélectionné que le blé a carrément changé d'aspect sur le champ et gustatif maintenant. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de gluten qu'avant. Et c'est un gluten qui est élastique. C'est que, voilà ce qui le rend digeste, c'est que c'est vraiment une pâte, quand ils font les essais, les démonstrations, c'est vraiment une pâte élastique. Ils auraient pu sélectionner autre chose comme critère. Là, ils ont sélectionné des farines où il y a du gluten dedans, parce qu'il y avait un intérêt, je suppose. Mais des blés qu'ils produisent, oui, c'est le rendement, et puis ils sont bien moins hauts. Donc ils versent moins, ils sont plus faciles à moissonneuse-batteuse, enfin bon, ils ont des avantages sur... Malheureusement, pas pour le consommateur. Oui, d'accord. Et donc après, en plus, tu parlais des semences aussi, où en fait, on te donne la semence, tu ne l'achètes pas ? Oui, ça c'était le reportage, oui. Donc on n'a pas le droit en France de donner des semences, donc pas OGM, mais c'est mutagène. On n'a pas le droit de les vendre. Donc les semenciers, ils les donnent, mais par contre, après, ils facturent un service derrière d'expert pour conseiller. D'accord. Alors en fait, j'étais en train de glisser tout doucement pour venir sur le deuxième sujet où je voulais interviewer Martine sur les OGM, puisque là on a parlé de l'évolution des plantes. Hein. Et donc toi, Martine, il y a aussi cette porte d'entrée qui t'a par rapport à quoi tu es très sensible, c'est la façon dont on a utilisé les OGM et dont on est en train de jouer un peu avec à l'apprenti sorcier en fait. Complètement, oui. L'OGM, bon, je pense que beaucoup de gens maintenant connaissent, hein, c'est l'organisme génétiquement modifié. Ça veut dire qu'il est réellement... on va chercher le gène de l'ADN d'une autre substance, d'une toxine, et pour l'introduire dans une plante, de façon à la rendre, par exemple, c'est souvent le plus souvent le cas, mais ça peut être d'autres choses, résistante aux pesticides. Donc Monsanto, il est tranquille, il vend à la fois le Roundup, le maïs OGM et le Roundup. C'est alors en fait résistante aux pesticides, ce que tu dis qui est intéressant, c'est voilà, on a réussi à faire que les plantes sont résistantes aux pesticides parce que en même temps, évidemment, on va traiter avec les pesticides en question. Tout à fait. Hein, c'est ça. Tout à fait. Ils sont très très forts, quoi. Ils ont le monopole partout. C'est simple. Et en plus, très souvent, on ne peut plus utiliser des graines qui étaient d'origine parce que maintenant, c'est interdit à la vente, etc. Hein, donc on est obligé de passer par eux, quoi. On est ligoté. Et dans les pays de développement, il y a encore des paysans quand même qui conservent leurs graines de blé ou autres et qui, c'est pas encore interdit complètement. Hein. Et le pire, c'est dans les pays qui se développent. Alors eux, ils sont pieds et poings liés. Par contre, certains sont pris pieds et mains liés dans l'histoire. Le coton OGM, Alors bon, il y a des actions, il y a des gens qui sont des faucheurs hein, volontaires qui font des actions contre ces OGM parce que il me semble que tu disais un peu tout à l'heure que peut-être que grâce à eux, on a empêché que les OGM se généralisent. Oui, tout à fait. En France, il n'y a pas d'OGM.
Après, attention, je crois qu'il y a 1% d'OGM, soja OGM par exemple, qui arrive en France et qui se retrouve dans l'alimentation animale. Donc on n'est pas complètement garanti de ne pas manger d'OGM. D'autant plus qu'il n'y a pas d'étiquetage sur la viande. Il y a le colza, il y a le tournesol, qui sont des mutagènes et pas des, des OGM, et qui sont pour lesquels il y a beaucoup de permissivité et qui donc se retrouvent, quand tu prends de l'huile de colza dans un magasin ou de l'huile de tournesol, tu sais absolument pas si elle est OGM ou pas OGM. Enfin, mutagène, je devrais dire, pour être précise. Hein. Voilà. Du coup, oui, mais est-ce qu'avec la signature des marchés avec les différents pays, est-ce qu'on arrive vraiment à se protéger? Je comprends pas ta question. Est-ce que y a des signatures, disons, que fait la France, disons, avec d'autres pays, par exemple le Canada, je pense. C'est hein. L'Europe. Au niveau des marchés internationaux. Et voilà. Est-ce qu'on n'a pas des retours, justement, de choses modifiées sur nos... est-ce qu'on maîtrise vraiment? Ben, c'est délicat, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis le Canada, les États-Unis, ils sont. Le Canada, on a des pommes OGM, on parle souvent maïs OGM, parle souvent colza, on parle souvent tournesol, mais il y a aussi des tomates. Enfin, la tomate, ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi des aubergines, des courgettes, des pommes OGM, des pommes de terre OGM. Chez nous, il n'y en a pas. Mais il y en a là-bas. Donc, à tout moment, ça peut arriver. Chez nous. Pour animaux qui viennent par le truchement de ce que tu dis là sur les marchés internationaux. Mais alors, l'émission avance et je suis désolé, voilà, on n'a plus le temps. Alain, y avait évidemment quelque chose aussi que tu voulais nous faire partager. C'est ce que tu as fait avec Amalia, qui est très très intéressant aussi pour essayer justement que tout le monde s'empare du sujet. Voilà, avec Amalia Legros, oui, on a travaillé, on n'est pas du tout des experts, disons, sur le sujet, mais on est intéressé par les questions, disons, de l'écologie, et tous ces problèmes dont on parle là aujourd'hui. Et donc, on s'est retrouvés, on est deux retraités, donc on a le temps de réfléchir, et on a travaillé le sujet, et on a monté un petit PowerPoint pour pouvoir le présenter. Disons dans des lieux divers et variés, des groupes, soit une famille, soit un village, soit une communauté de communes ou une école, voilà. Et donc c'est un premier jet qui est une réflexion commune où on invite les gens après à faire leur bilan carbone, leur propre bilan carbone, et peut-être à le faire d'une manière individuelle ou collective s'ils le désirent, de manière à pouvoir se mettre en route, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement une conférence et puis on part avec des questions, on est satisfait ou pas satisfait, ou on a un mal-être, et c'est pas du tout pour créer ce genre de choses, mais tout simplement pour au contraire prendre des décisions, s'organiser, et on se rend compte que c'est pas qu'enfin on peut prendre des décisions d'ordre écologique, mais qu'on peut aussi qu'on va être aussi, disons, obligé d'en prendre de manière politique, quoi. Enfin, qu'on crée un groupe, et c'est vraiment très ouvert, parce que on ne peut rien modifier s'il n'y a pas des modifications politiques. Politique profonde. Ouais. Le capitalisme est malheureusement, disons, un des agents primordial, disons, de responsabilité de pollution écologique. Alors en fait, c'est un peu version éducation populaire, votre truc, parce que ça permet aussi de s'approprier tout un vocabulaire. Hein. Tu parlais d'anthropocène, de choses comme ça qu'on entend très souvent. Voilà, nous, on avait, oui, des termes comme ça qui nous, disons, qui sont un peu étranges et venus d'ailleurs. Hein. Donc comprendre, tout simplement, comprendre ce qu'on nous dit. Parce que c'est vrai, lorsque quelqu'un, un expert, arrive et puis nous parle de l'anthropocène ou de l'holocène, bon, il faut être un peu initié, donc on a voulu aller voir, même les gaz à effet de serre, hein, au fond, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ceci, on a voulu le vulgariser, c'est une vulgarisation. Alors, hein, comment on peut faire pour avoir accès à ce que vous proposez? Alors, pour avoir accès, il suffit de nous contacter, hein, donc ouais. Bon, j'ai un téléphone, hein, 06 78 34 44 44, je répète, 06 78 34 44 44, d'accord. Et voilà, et on peut, nous on a tout le matériel, donc il vous suffit d'être décidé et se mettre d'accord sur une date, et on peut arriver chez vous, sur votre lieu.
D'accord. Voilà. Donc en fait, ça, c'est vachement intéressant de pouvoir arriver à comprendre un petit peu. Il n'y a aucun frein, hein, disons. On arrive en ami. Hein. D'accord. Bon, on a à peu près fini cette émission. Je vous remercie, c'était très intéressant. Merci Martine pour ton expertise. Oui. Est-ce que je peux donner moi aussi une petite adresse? Oui. C'est l'adresse des faucheurs volontaires. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, on a besoin de monde. Donc ça s'appelle altogm07@risup.net. Encore une fois, tu le redis? altogm07@risup.net. RISEUP. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Fréquence 7. Au revoir. Au revoir.